Hello tout le monde, on se retrouve donc pour un tout nouvel épisode sur Warriors All Stars. Donc la dernière fois on a fait un épisode à moitié annexe et on a tenu par une petite trame principale et nous avons débloqué donc trois nouvelles batailles, donc à savoir celle-ci et encore une. Il y en a trois. Enfin, il y en a deux là et la troisième est ici. Ouais. Oui, merci, c'est gentil. Et aussi une des nouvelles fins possibles. Donc en fait, j'hésitais à la faire parce que je me dis si elle disparaît, voilà, quand on va être un petit peu dans la mouise. Mais bon, a priori non, puisque selon l'arbre, on va dire des événements. Yumi Story, voilà. Donc ça on l'a pas fait pour avoir la bonne fin, ça non plus. Enfin la fin là vous la verrez dans une des vidéos que j'ai faites, puisque j'ai rechargé une ancienne partie où la bataille était disponible et j'ai record la bataille plus la fin, on va dire, alternative, qui apparaîtra je pense juste avant le dernier épisode. Et donc ici nous avons encore trois batailles et ensuite nous pourrons faire la dernière bataille qui clôturera donc le scénario donc, de Tamaki. Puisqu'en fait chaque scénario, si j'ai bien compris le fonctionnement du jeu, chaque scénario, par exemple nous avons Tamaki, Shiki et Setsuna. Donc en première partie nous avons vraiment l'histoire basée donc, sur le clan. Et ensuite, nous attaquons la seconde partie et la dernière partie donc, de l'histoire avec le chapitre de Yomi. Après, le chapitre de Yomi, ça dépend aussi de la fin que vous voulez. Parce qu'en fait, dans la première partie, il me semble dans les premiers épisodes, vous pouvez voir en fait que j'ai eu la mauvaise fin. Donc en fait, on n'a pas eu du tout accès à ce chapitre-là, ni même à d'éventuels personnages. C'est juste là que j'ai repris une autre partie que j'avais commencé en stream. Et là, comme j'ai vu que je pouvais aller... que je pouvais aller jusqu'à la fin parfaite. Enfin, parfaite, c'est un large mot pour définir cette fin. J'ai dit autant continuer pour vous montrer un peu plus. Sachant que pour le chapitre de Yomi, vous avez juste loupé la toute première bataille. Tout simplement parce que le record a foiré. En fait, le logiciel s'est fermé, tout simplement. Et donc nous allons commencer, donc dans cet épisode là on va normalement pouvoir faire les trois batailles là. Et ensuite nous pourrons attaquer la dernière bataille pour finir le scénario de Tamaki. Nous pourrons enchaîner donc soit sur le scénario de Shiki ou de Setsuna, je verrai. Mais on fera en fin de compte, je voulais pas non plus faire les trois scénarios qu'en fin de compte je vais faire parce que j'adore vraiment le jeu, tout simplement. Donc autant continuer et je ferai également une vidéo regroupant toutes les cinématiques donc des personnages et aussi des éventuelles scènes qu'il y a dès que j'aurai vraiment tout débloqué. Donc après que tout ce blabla est terminé, on va commencer l'épisode. Donc voilà, c'est ici. Bon, niveau 31, on verra si on va pas trop douiller. On va voir si on va pas trop douiller, pardon. Ok. Tiens, j'ai pas eu de nouvelles cartes. Par contre, ouais, faudra que je vais en vendre. S31, mais là je suis en 36 plus 9 en affinité. Je vais garder celle-ci. Bon, j'ai une bonne petite équipe, hein, je vais pas dire. Et c'est parti. Donc astuce de début de combat. On va augmenter la bravoure. Donc, on a en bas, il semble que ce soit Sayo. Sans être Sayo, donc on va dire que c'est Sayo Shami. Okay.
Voilà. C'est parti. C'était dans quelle base que je devais aller? Je vais aller là parce qu'il semble qu'ils vont tous là. Je vais capturer la base, donc je vais capturer la base. Hop. On va prendre le devant. C'est la capacité de support de Oka est vraiment utile, surtout dans les batailles là comme ça. Je savais pas où était le fantôme en même temps. Le commandant de la base, il est où? Comme pas mon plus remontant. Voilà. Ah, on peut également monter un personnage maximum jusqu'au niveau 50. Pour ceux que ça intéresse. Hein. Je vais aller capturer la base là, comme ça on pourra pas dire. Voilà. Un petit coup de mouzou. Attaque spé, comme on dit. Voilà, Tokitsugu est vaincu. On va prendre la petite base ici. Par contre, ce qui a l'air de manquer à ce jeu, tout simplement, c'est un mode free où on peut refaire des batailles. Avec n'importe quel personnage, quoi. C'est ce qui a l'air de manquer. Là, qui se débloque après qu'on a terminé un mode histoire complètement. Parce que dans le quand j'ai eu la mauvaise fin dans l'épisode, je crois, 6, enfin, quelque chose par là, j'ai pas eu le mode free tout, qui s'est débloqué. Donc peut-être qu'il faut terminer les 3 scénarios. Peut-être. Je pourrais pas en vaincre davantage. J'ai terminé ici et je vais protéger
Je vais protéger Tanaki parce que... Ah, elle va s'en manger plein. Plein la tête. Ok, je peux peut-être rattraper ici. Ici, il a une attaque renforcée, donc on va faire attention. J'avais pas vu que j'avais pris aussi cher. Ah, Okina. Merci de m'avoir stunné, franchement c'était super de ta part. Voilà. C'est bon, la bataille est terminée. Bon, ça va, ça a été. Ça n'a pas été trop dur. Le problème, c'est quand ils viennent en groupe. C'est là où est-ce que... Ah non, c'est Yomi. Donc là, c'est la forme originale de Yomi. Elle ressemble énormément à Sayo. Hein. Ok. Donc là, on va juste se retourner au sanctuaire. Tout simplement parce que j'ai oublié de vendre des cartes. C'est où déjà? Non, c'est pas ici. いらっしゃいませ. Alors... Je peux vendre celle-là puisque j'ai celle de rang A.
Pour débloquer donc les cartes, je pense rang S, faut vraiment faire toutes les quêtes avec les personnages. Chose que franchement on n'a pas fait, enfin que j'ai pas fait dans en découverte, parce qu'il faut savoir aussi que ce LP se fait également en découverte intégrale. J'en ai aussi des cartes de Platcha à vendre. C'est pas un perso que j'utilise beaucoup, mais je fermerai sûrement ces quêtes prochainement. Du moins quand je recommencerai le scénario de Tamaki de mon côté. Voilà. Allez, de retour ici. On va y parler pour monter un petit peu l'affinité. Non. Ok. Oui, oui. Hop. Alors. Alors. 31 et 31. Parce qu'en fait, je vais pas faire de bêtises. Donc, dans l'ordre, c'est quoi? C'est celle-ci. Un coffre, on va pas dire non. C'est toujours de l'argent. C'est parti. Hop, le premier ennemi ce sera mon MJ. On va faire ça tout de suite. On va aller voir 2 minutes en bas après avoir pris la base là. Je capture du bas de côté. Bon, Sophie, tu as pas trop m'embêté. Il suffit pour esquiver les attaques. Par contre, la grille m'a tué le foutu ici. Ouais, je vais faire passer un seul quart d'heure. Puis après, je vais descendre vers le sud. Donc ça, c'est un bon perso, mais quand il utilise ses attaques et spé, franchement, on voit que dalle. Voilà. Par contre, là, j'aime pas trop ce qui va se passer ici, parce que, voilà, comme par hasard,
Ça vient squatter mon camp quand je ne suis pas là. Hein. Par contre, toi, tu vas vite partir. Là. Allez, vite, Amaki. Allez, baisse ta défense. Enfin. J'allais aider tout de suite en bas. Là, ils sont tous en train de monter. Faire vite. Par contre, ouais, t'as aussi activé ta technique comme lui. Là, franchement, c'est vraiment le combat des bras cassés. Par contre, la portée de Yuan-Chi dans ce jeu, elle est vraiment limitée. Hein. Allez, aide. Je vais pouvoir lui donner un petit coup de main là-bas. Le commandant du... Ah, par contre, ouais, j'ai vu un rasoir canon. Voilà, hop. Remonter maintenant à l'ouest. Ah, oh, ça tient bien pour le moment, là, il n'y a pas... On dirait vraiment les maps de Warriors Roshi, hein, mine de rien. Là, j'ai le sentiment là. J'arrive. T'inquiète pas, j'arrive, je suis sur le chemin. Ah, voilà, c'est gratuit. Quelle est la dernière base? C'est le camp principal. Les États-Unis ont l'air de monter. Mmh.
Un petit rush. Le petit rush de famille qui va très bien. Voilà, la bataille finie. よくぞ試練を乗り越えました。勇気ある王の末裔よ。まあ。なんだって。いいえ。なんだ。 いいえ。なんだって。いや。よし。 Ok, c'est bien, c'est qu'avec ce petit baptême, en fait, on apprend un peu plus sur Yomi, qui à la base n'était pas du tout un personnage, on va dire, très méchant. Hein. Bien au contraire, elle avait l'air d'être très très gentille. Mais... Et nous attaquons enfin le... Enfin, le dernier fragment, son dernier fragment de mémoire. Et après, nous pourrons nous arrêter là pour cet épisode. Allez, dernière bataille. Oh, j'aime pas les batailles comme ça. C'est un défi. Waouh, vaincre 3000 ennemis. Et ben c'est parti. On va voir si ça, ça compte. Ouais, je pensais que ça allait vraiment être une bataille genre très très dure. En fin de compte, c'est juste un défi. On va voir ce que ça donne. Par contre, il n'y a pas trop d'ennemis là. J'ai du mal à atteindre les 4 persos là. Par mon côté temps, je pense à faire Jess. Hein. On va négliger un ennemi. C'est là, je vais seulement revenir. Là. Ouais.
Je vais prendre la base là-bas, au centre. Ça ressemble à mon deal. Voilà. Hop, la monstre. Attends, là déjà, il est 1100. Ça semble n'empêche impossible quoi. Ils viennent tous en bas là. Il y en a même pas un qui vient en haut. Je vais redescendre vite fait. Non, je pense pas que j'ai pris en fait la bonne strat. Toujours 12 plus. Ah, là, on dirait qu'il y en a que ça arrive par ici. Là, j'ai seulement arrivé à la moitié, quoi. Non, il doit avoir une méthode, parce que là, franchement... Non, mais on est seulement qu'à la moitié, quoi. Mon problème, Miss, c'est que je voudrais bien t'aider, mais t'es trop loin. En fait, ça semble plus facile quand c'est en bas, quoi. Je crois que je dois la refaire. Ce perso, je vois pas sans comment on peut... J'hésite là franchement à la recommencer tout de suite. De toute manière il me reste 4 minutes. Je sais pas. Non 4 minutes non c'est pas faisable. La recommencer. Alors je vais pas m'éloigner aussi loin. Je vais juste rester aux abords ici. En fait là il y en a beaucoup qui sont venus en bas. Voilà. Je vais faire le run. C'est le plus possible. Vous voyez, en fait, en bas aussi, il y en a beaucoup. En fait, moi, je suis partie un peu partout. Voilà. こんなにたくさんの敵を買っていいの？耐えられる？四季さん、せっかく。
Voilà. Mais si, ils sont tous là en fait. Après, vous voyez, ils se ramènent tous. Donc là, en fait, j'ai pas besoin de bouger. Là, ça a largement plus vite, je suis déjà au mille. Et je peux refaire un run, super. Là, l'astuce en fait c'est de rester au centre vu qu'ils descendent tous. Voilà, plus qu'à 2320. C'est du pain béni, sérieusement. En fait, c'est faisable. L'astuce, c'est de rester au centre. Pas de partir à droite à gauche, quoi, comme j'avais fait. Ça y est, c'est vraiment 3000 piles. Ça va, les 3 batailles là, franchement, elles étaient pas difficiles. Ben, celle-ci, c'était juste pour les comprendre qu'il ne fallait pas bouger ici puis les attendre. Et utiliser 2 runs. Oh.
Tanum. Damn. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc c'est l'avant-dernière vidéo, puisque dans la prochaine vidéo nous allons faire cette fin, donc cette petite bataille, qui a l'air d'être vachement difficile, parce que l'autre bataille, donc Total Darkness, je l'ai faite, donc elle sera postée juste après donc cette vidéo là et juste avant la fin, et vous allez voir que c'était quand même assez corsé, et donc là c'est en gros c'est revisité, et j'ai peur que ce soit encore plus difficile, parce que là en fait on est sur la route franchement de la meilleure fin, donc à savoir, donc on a tous les fragments, on a toutes les batailles dramatiques. Bon, Tamak History, il y a juste deux choses que j'ai pas faites. Peut-être si je faisais celle-là, je pouvais pas avoir donc la bonne fin. Donc c'est pour ça. Et voilà, en fait ici il fallait que je tue, enfin il fallait pas que je tue le monstre qui avait le fragment. Et donc il fallait d'un côté, il fallait que je batte le monstre pour avoir le fragment pour déverrouiller ce chapitre. Donc logique. Et donc ici il y a aussi avec le second choix. Et bon après on a, je veux dire, on l'a quand même bien torché ce petit chapitre. Et donc voilà, on va s'arrêter là donc, pour cette vidéo. On se retrouve très vite pour mettre fin au chapitre de Tamaki. Et on commencera d'ici une petite semaine un autre chapitre. Soit celui sur Shiki ou bien Setsuna, on verra. Sur ce, je vous dis à très bientôt.